La peau sur les os est un film de 1996 réalisé par Tom Holland d'après un roman de Stephen King. Le film sort en VHS et il aura fallu attendre 2022 pour que le film sorte enfin sur DVD et Blu-ray par chez nous. Belle initiative de Rimini Édition, sauf que ces petits coquins ont spécifié sur le fourreau et dans le menu qu'il s'agissait de la version originale et aussi de la version française, mais c'est complètement faux, il s'agit de la version québécoise. Dans cette vidéo, je vous compare la version française de la VHS avec la version québécoise du DVD et du Blu-ray. Alors, tu vas toujours à New Haven sortir monsieur le mafieux des griffes? Ne l'appelle pas comme ça, tu veux? Ça m'est déjà assez pénible que ton père le défende sans qu'en plus tu en fasses des gorges chaudes. Il paraît que c'est ça, la justice. Où est la justice là-dedans? Toi, je vais te résilier ton abonnement au Vidéo Club. Je voudrais bien voir ça. Alors, tu dois aller faire acquitter Mr. Mafia à New Haven? Oh non, je t'en prie, pas de surnom idiot. C'est déjà assez que ton père soit son avocat sans qu'on ait besoin de tes commentaires. Qui a besoin de la justice? Non, ça c'est de l'injustice. Continue et je te retire du club vidéo tout de suite. Ah, jamais tu oserais. C'est mon chauffeur. Je dois faire une apparition aujourd'hui en cours des siens. J'y vais, je suis en retard. Je dois y aller pour lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Une vraie furie qu'elle était devenue. Ses règles devaient la travailler. Vous connaissez les femmes? Évidemment, à l'époque, j'avais du pognon. Votre honneur! Mais, si je puis dire, aujourd'hui, elle a changé son fusil d'épaule. Et tout va vraiment le mieux du monde. Elle s'est un peu fâchée, cette fois-là. Syndrome prémenstruel, sans doute. Vous savez ce que ça leur fait. Il faut dire aussi qu'on s'entendait pas sur une certaine somme d'argent. Votre honneur! Mais, maintenant qu'elle est de l'autre côté du grand changement, c'est parfait, c'est magnifique. Tu vois la gitane là-bas en face? Elle est brandante. Tu l'as dit? Va lui donner ça. Qu'elle nous monte ses nénés. C'est la puberté qui te travaille encore. On parle pas de malheur. Tu vois ce joli petit cul de gitane là-bas? Elle est dure à manquer. D'accord. Donne-lui 25 cents. Et dis-lui de retrousser sa jupe. Est-ce que ta queue s'est rendue plus loin que l'école primaire, Kirk? J'espère que non. Vous n'allez pas leur coller un mandat d'expulsion, monsieur le juge? Ah, je me gênais. Je vais pas laisser l'équipe de foot junior attraper la ch'touille ou pire encore. C'est privé, là, ce serait impossible de les faire partir, juge. Un jeu d'enfant. S'il fallait que tous les collégiens de l'équipe de football attrapent la gonorrhée ou je sais pas quoi. Vous avez procédé à l'alcotest? Oui, monsieur. Pour quel résultat? Eh bien, monsieur Alec était aussi sobre qu'un juge, monsieur le juge. Je ne vous entendrai pas, rigueur. Rassurez-vous. Vous pouvez disposer. Oui. Et alors? Eh bien, votre honneur, monsieur Alec était aussi sobre que le serait un juge. Juge. Dans les circonstances, je n'ai rien entendu. Vous avez terminé, chef. Monsieur... Maigri. Monsieur, déjeuner. Ça t'en bouge un coin, hein? Comme tu manges toujours autant, ça doit être la culpabilité. C'est stupide. Ça ne m'a pas fait maigrir, pas plus que toi, ça ne t'a fait grossir. Sans farce. Pourtant, je n'ai pas vu que tu arrêtais de manger. Mauvaise conscience. Ça, c'est stupide. Ça n'a rien changé à ma diète, non plus qu'à la tienne, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'êtes pas très gentil. Pire encore, au tribunal, ça vous vaudrait un outrage à magistrat, en particulier si c'est moi qui siège. Carrie, arrêtez de masticoter ou je file 5 dollars à Billy pour qu'il vous rentre dedans avec sa voiture de golf. Hé, hey, Kirk! Quoi? Viens me donner un gros baiser. Là. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes un peu gaffeur, Kirk. Si ce n'était que ça, ce genre d'attitude risquerait de vous coûter des courses et tout spécialement à ma cour, mon cher Kirk. Écoutez... Laissez-moi tranquille ou je refile à Billy 5 dollars pour qu'il vous écrase avec sa voiturette de golf. Hé, hey, cœur, quoi? Donne-moi un baiser, tu veux, mon cœur? Juste ici. C'est impossible, ça. Du calme, c'est plutôt rassurant. Tu pourras bientôt voir tes couilles sans te servir d'un miroir. C'est impossible, voyons. Relax. Bientôt, tu vas être capable de te voir bander sans l'aide d'un miroir. Tu sais, chérie, je me demande si... C'est pas normal de décoller à ce point. Il se pourrait que tu couves, hein. Hein, quoi? Tu sais très bien quoi. Mais merde!
Si je grossis, je suis bon pour l'infarctus. Si je perds du poids, je me tape un cancer. C'est trop injuste. J'étais en train de me demander si ces pertes soudaines ne seraient pas un signe avant-coureur. De quoi? De tu sais quoi. Merde! Si je gagne du poids, je vais faire une crise cardiaque. Et si j'en perds, j'aurai un cancer. Je gagne jamais. Tu n'as pas été en si bonne forme depuis le temps où tu plottais Marie-Lou sur les bancs du lycée. Quelle gaffe, celle-là. J'ai jamais réussi à la baiser. T'as probablement jamais été aussi en santé depuis que tu baisais Marie-Lou à l'époque du secondaire. Sale histoire, et tu sais, j'ai jamais réussi à lui mettre la main aux fesses. Qu'est-ce que vous faites comme régime? Je veux savoir. J'en ai essayé des tonnes. J'aimerais bien essayer celui-là. Vous furiez si je vous disais ce que c'est. Mais en fait, vous prendriez vos jambes à votre cou. Ce régime que vous suivez, c'est quoi, dites? J'ai fait l'essai de tous les autres. Je pourrais essayer celui-là. Je l'éviterais si j'étais vous, Henry. En fait, je crois que vous le détesteriez. Je peux te poser une question? Est-ce que ça existe, la ménopause pour les hommes? Vous aussi, vous avez des problèmes d'hormones? Pourquoi tu me demandes ça? Je m'inquiète pour toi. Mais de quoi est-ce que tu te plains? J'ai enfin trouvé un régime qui marche. Je mange à ma faim et je m'écris à vue d'œil. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça existe quelque chose genre la ménopause mâle? Je veux dire, des hormones qui seraient... Qu'est-ce que tu veux dire, Lynn? Je m'inquiète pour toi. Pourquoi? Je vais très bien. J'ai fini par trouver une diète qui fonctionne, ne rien se refuser et continuer à maigrir. Billy, tu veux me dire ce qui te tracasse? Pourquoi tu engloutis autant? Je ne sais pas si c'est dans ma tête, même si le docteur Miracle... Je déteste quand tu l'appelles comme ça. Billy, tu voudrais pas essayer de ralentir? Pourquoi tu dévores tant que ça? J'ignore si c'est dans ma tête ou quoi. Le docteur Mikey a tendance à croire que... Je déteste quand tu l'appelles comme ça. Pourquoi tu prends ce ton avec moi? Comme si c'était ma faute. C'est tout de même pas moi qui me suis pompé le sable tout seul. Oh, c'est méchant ce que tu dis là. Inutile de me le dire en m'engueulant. Est-ce que tu crois que c'est de ma faute? Non, désolé, je me faisais une pipe à moi-même, c'est ça? Ça, c'est horrible ce que tu dis là. Sa peau devient squameuse. Son corps se couvre d'écailles. Il ne fait que régresser de jour en jour. C'est un phénomène de foi. Oh, Seigneur! Sa peau part en lambeaux. Elle se couvre d'écailles. C'est l'évolution à l'envers, on dirait. Il a l'air d'un monstre de foi. Oh, Seigneur Dieu! Il n'a plus que des griffes en guise de main, comme les sauriens! Ses yeux ne sont plus que de minuscules points au fond de deux cavités écailleuses, comme une huître en perlière. Quant à son nez, je dois entrer demain à la clinique Glassman. Avant qu'il parte pour la clinique, il avait les mains comme de vrais cerfs. Ses yeux étaient deux points qui semblaient scintiller au fond de sa boîte crânienne, tels des morceaux de verre brisés. Et... Sonner. Je dois aller quelque part. La clinique Glassman, vous savez, à cause de mes hormones de traquer. Je vous souhaite un bon séjour à la clinique Glassman, Billy. On y mange comme des rois. Amusez-vous bien à la clinique Glassman, Billy. À ce qu'on dit, on y mange bien. Monsieur Alec, où allez-vous comme ça? Assurez mon transit. Monsieur Halleck, où allez-vous? Chercher des hamburgers. En le quittant, j'ai entendu un coup de feu. Qui sait, ce bon vieux Duncan a dû voir un rat dans sa cuisine et il a sans doute décidé de lui péter une dent. Ça m'étonnerait. Lemke lui a également jeté un sort. Son visage est... Billy, je t'en supplie, arrête de mettre sans arrêt cette histoire de malédiction sur le tapis. Bah, ton ami, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je ne fais pas de régime. Non. Je ne suis pas anorexique. Je n'ai pas le verre qui me bouffe les tripes. Je m'engouffre depuis plus de 2 semaines la bagatelle de 10 à 12 000 calories dans la journée, quand ce n'est pas plus. Et malgré tout ça, je fous.
comme neige au soleil. J'ai entendu un coup de feu en sortant. Je sais pas, peut-être qu'il a vu un rat dans le coin et qu'il a décidé de lui faire une trépanation ou quelque chose, mais j'en doute fort. L'aime que lui a jeté un sort, lui aussi. Son visage... Billy, je t'en prie, je t'en supplie, ne recommence pas avec cette malédiction. Alors qu'est-ce que j'ai, dis-moi, hein? Réponse, c'était si forte. C'est de l'anorexie, non. Le ver solitaire, encore moins. J'ai bouffé comme un vrai cochon ces derniers temps. 6, 10, 12 000 calories quotidiennes, sinon plus. Et pourtant, je continue à maigrir. Je m'évanouis dans l'air. Et Carrie a un cancer qu'il soigne à la clinique Mayo. Carrie, un cancer, mes couilles. Cancer cutané, il est en traitement à Mayo. Un cancer, tu parles, ouais. Terry, je parlais justement de toi à Mike, et il me dit... Sale pute, sale pute, sale pute, sale pute, attends, tu veux voir. Chérie, je parlais avec Mike, et il trouve que tu devrais... Pute, 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 pute. Debout, la belle au bois dormant. C'est ta marraine, la bonne fée friquée. Comment tu t'appelles? Spurton. Frank Spurton. Regarde, Frank Spurton. C'est Noël. Hé, hey, petit, réveille-toi, t'as de la visite du Père Noël, fais vite. C'est quoi ton nom, petit? Spurton. Frank Spurton. Ok, Frank Spurton. Regarde ce que j'ai pour toi. Vous adorez ça, Eugene. Si j'adore ça, tu rigoles. Je prends un pied d'enfer. Heureux, là, hein, Eugene. Heureux? C'est pas le mot. C'est fou ce que je jouis, tu veux dire. Tes rêves puent comme un morceau de viande pourrie. Ils sentent la charogne. Tu t'imagines peut-être que tu es encore en train de rêver, hein? Tes rêves sont mauvais à mon nez. Ils puent, homme blanc. C'est de la charogne. Tu crois peut-être que tu rêves encore, hein? Une autre personne doit absolument manger cette tourte. Celui ou celle qui la mangera mourra dans d'atroces souffrances. Tu as choisi cette personne? Oui. Oui. Oui, tu l'as choisi. Il y a une personne qui doit manger la tarte bientôt. C'est tout. La personne mange la tarte, elle meurt vite et mal. Tu as une personne. Ouais. Ouais. Ah ouais, tous nous avons une personne. Achète-toi, homme blanc de la ville. Achète-toi. Sois digne dans ta mort, homme blanc de la ville. Sois digne. Docteur Plante de la ville.